politique internationale explique ce temps. Mais aussi sur le plan religieux, nous assistons à des scènes de dénigrement récurrentes parmi les frères. Le temps est difficile. Les conjonctures nous exigent à exercer la patience. Ils ont su faire preuve de patience pour boucler ce cycle d'études. Étudier n'est pas facile, c'est vraiment difficile. C'est le séminaire de théologie évangélique de l'Artibonite. C'est une institution qui veut travailler à former des ouvriers, qui veut donner une formation intégrale aux ouvriers en vue de la transformation de la communauté. Madame, messieurs, vous êtes bel et bien là ce matin pour assister à la première graduation du séminaire de théologie évangélique de l'Artibonite, dont pasteur Roldi Telasco a jeté les bases à l'automne 2018. Membre du décanat, professeur, récipiendaire, étudiant, parents et amis, Vous avez bien fait de vous rendre ici. Votre présence témoigne de l'attention accordée aux choses du royaume. Je vous demande de vous applaudir. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce matin, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'enceinte de l'église baptiste Ebenezer de Semar pour la première cérémonie de graduation du séminaire de théologie évangélique de l'Artibonite Stella. Cette promotion baptisait les apologistes pour exprimer leur noble fonction de défense de la foi chrétienne est au fait la fusion de deux promotions, à savoir 2018-2021, 2019-2022. Ce moment tant attendu a pu poindre au final et nous sommes dans la joie. C'est avec beaucoup de difficultés que nos chers étudiants ont pu arriver à ce moment crucial de leur étude. Ils méritent bien d'être récompensés aux yeux de Dieu, de leur famille et de leurs amis. De surcroît,
nous devrions éclater en action de grâce pour les 4 années d'existence du Stella. Jusqu'ici, l'Éternel nous a beaucoup secouru. Et maintenant, pour débuter la cérémonie, nous vous demandons de vous mettre debout, tandis que les étudiants vont entonner l'hymne du Stella qui se trouve au livret que vous avez en main à la page 9. Merci. Thank you.
Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds. Maintenant, nous allons devoir écouter à tour de rôle un chant spécial du groupe Cœur d'Homme. Pardon. Nous allons devoir écouter la lecture de la parole de Dieu, comme je l'ai dit, qui sera faite par le professeur Wilson Dorelas. Et après, nous aurons à écouter un chant spécial du groupe Cœur d'Homme de l'Église Baptiste et Ménézère de Saint-Marc, suivi des propos du doyen de Stella, en l'occurrence, pasteur Roldi et Telasco. De vous tenir debout pour la lecture. Et la lecture se trouve dans la prophétie d'Ésaïe, notamment dans le 6e chapitre. Nous donnons lecture du 1er au 13e verset. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 13e. Je veux croire que vous y êtes tous, tandis que je vous donne lecture. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont il se couvrait la face,
deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Et il dit: Va, dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis: Jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre édification et rassoyez-vous.
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions sœurs, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions étatiques, Messieurs les membres du corps professoral, presse parlée, écrite et télévisée, tous ceux qui nous suivent en live via YouTube et Facebook, chers récipiendaires, chers étudiants, parents et amis, Mesdames, Messieurs. Si nous essayons de vous dresser un tableau parfait de la crise généralisée qui sévit sur notre coin de terre, Haïti, nous ne ferons que raviver la plaie qui nous fait gémir sans répit, endurer une douleur apparemment inapaisable. Déjà dans le monde, la loi de la jungle règne. Même sur notre territoire mère, nous sommes comme incarcérés. Dans cet abîme économique, cet abysse moral, ce gouffre politique, ce précipice social, ce trou à bords escarpé, on ne saurait vivre, on ne peut que vivoter, joindre les deux bouts. Et c'est dans cette conjoncture d'insécurité, de banditisme, de cas innombrables de kidnapping que nos étudiants ont pu braver pour venir étoffer leur connaissance de la parole en vue de constituer des outils efficients dans le royaume de Dieu. Ils le font tout en se remémorant les propos du grand apôtre Paul. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. À coup sûr, chers récipiendaires, vous avez appris l'essentiel. Vous avez été exposés aux enseignements d'hommes de Dieu, capables, les uns masterant, les autres doctorant, les uns ayant déjà leur diplôme de master, les autres leur diplôme de doctorat. Je vois déjà gravir ces échelons. Dès janvier prochain, le séminaire de théologie évangélique de l'Artibonite, Stella, continue avec vous pour une année supplémentaire afin de parfaire le nombre de crédits requis dans le programme de licence. De surcroît, il se fera le plaisir de vous accompagner tout en vous inscrivant dans des programmes de maîtrise puis de doctorat. Par-dessus tout, il m'incombe de vous exhorter à l'étude personnelle de la parole de Dieu, à une vie de prière commune aux grands héros de la foi et à une intégrité qui vous qualifie et vous habilite à dispenser cette semence de vie pour un salut éternel. Chers récipiendaires, vous avez été valablement équipés pour les différentes sphères du ministère ecclésiastique. En effet, comme vous le savez, le Stella ne forme pas que des personnes appelées au ministère pastoral. Nous faisons la promotion de tous les ministères ecclésiastiques. En d'autres termes, on ne vient pas au Stella pour être pasteur, mais on y vient pour connaître mieux la parole de Dieu et être ainsi équipé pour n'importe quel ministère auquel le Saint-Esprit vous appelle, que ce soit à l'apostolat, au pastorat, au diaconat, à l'ancienat, au ministère de prophétie, d'enseignement, d'évangélisation, de service, de discernement, de guérison et j'en passe. Nous profitons de l'occasion pour rassurer ceux qui veulent étudier la théologie dans une école accréditée que, référée par la Cornerstone Christian University, le Stella est accrédité par la NTAAC, National Transregional Accrediting Association Council, basée à San Diego, en Californie, aux États-Unis. La nouvelle session commence le 24 septembre prochain. Donc, passez-vous y faire inscrire au local du collège mixte Ebenezer du lundi au vendredi de 8h AM à 1h PM. Comment ? En remplissant le petit formulaire annexé à la feuille de programme que vous avez en main. En définitive, chers récipiendaires, je vous somme de vous mettre à la hauteur de l'appel de votre mission. Le Stella compte sur vous.
Vos parents comptent sur vous. Vos amis comptent sur vous. Comme a dit l'ange de l'Éternel au serviteur Gédéon, allez avec la force que vous avez. Bon ministère dans le Seigneur. Merci. Après le discours d'un grand, on n'a qu'à mélanger poésie et musique pour compléter ses dires, pour compléter ses propos. Nous écoutons à l'instant le groupe Hirondelle des Cieux de l'église baptiste Ebenezer de Saint-Marc. Il n'est pas donné à un petit de présenter un grand.
le devoir incombe au doyen du Stella, puisque c'est lui l'hôte, de présenter le prédicateur de ce matin. J'invite Pasteur Roldi Telasco à me rejoindre afin céder le micro au prédicateur du jour. Merci, Révérend. Le prédicateur de la circonstance répond au nom de Télusma Henri-Claude. Qui est-il? Monsieur Télusma est enseignant et directeur des recherches à la faculté de théologie de l'UCNH, Université chrétienne du Nord d'Haïti. Monsieur Henri-Claude a fait ses études en droits humains et est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses, théologie protestante, soutenu à l'Université de Strasbourg en France. Auteur de plusieurs ouvrages, Dr Henri-Claude Télusma est fondateur du laboratoire d'éthique et d'anthropologie de la religion en Haïti. Nous avons donc l'insigne honneur ce matin d'écouter en tant que porte-parole du Seigneur, Dr Henri-Claude Télusma. Applaudissez s'il vous plaît. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Néhémie 2, 17 et 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Monsieur le doyen du séminaire théologique de l'Artibonite, distingué membre du décanat, valeureux professeur, courageux parent, cher récipiendaire, mesdames, messieurs, il est pour moi un très grand plaisir d'être ici ce matin à Saint-Marc pour participer à cette grande fête, à cette grande cérémonie, et surtout à cette première graduation. Donc déjà à partir de ma prédication, je fais l'histoire. Je suis dans l'histoire de cette prestigieuse institution théologique, Stella. Donc, chère assemblée, votre présence ici à cette cérémonie témoigne votre vif désir de voir le changement d'Haïti, le changement de notre très chère patrie par des intellectuels chrétiens formés, compétents, expérimentés. À cette grande fête, moi, Henri-Claude Télusma, je vous apporte la voix d'Haïti. La voix d'Haïti est cette voix de la première république nègre du monde. La voix d'Haïti, c'est la voix de la mère de la liberté. Je vous apporte à cette graduation cette voix. La voix de celle qui a jeté les premiers jalons aboutissant à l'abolition de l'esclavage dans le monde. Oui, la voix d'Haïti, je vous l'apporte ce matin à cette première graduation. Pays qui a longé la main au monde entier, à tous ceux, toutes celles qui avaient soif de la liberté, de la justice, d'indépendance. Mes chers amis,
je dois vous dire franchement que cette voix, la voix d'Haïti, n'est plus joyeuse. Elle n'est plus rythmique, étant donné que la mère de la justice a soif de justice aujourd'hui. La mère de la libération de l'esclavage est en quête d'indépendance aujourd'hui. Le bastion du respect, de la liberté, du respect de la personne humaine, Haïti, souffre aujourd'hui de la traite des hommes. Oui, mes chers amis, Haïti est piégée. Elle est prise au piège, piégée par ses amis, piégée par ses propres enfants. Haïti, c'est la grande oubliée de l'histoire. Vous pouvez imaginer, vous pouvez le comprendre que c'est un très lourd fardeau pour moi de porter à cette graduation une voix si sombre, si triste, si désespérée, si mourante. La voix d'Haïti, c'est la voix de chaque Haïtien. Chaque Haïtien, petit et grand, Haïtien vivant en Haïti, tant à l'étranger, je vous apporte cette voix. À cette graduation de ce matin, mes chers amis, je me fais donc le porte-parole de beaucoup de personnes, dont Philippe. Philippe, c'est un jeune Haïtien qui vit en Europe depuis plus de 10 ans et que l'insécurité l'empêche de venir en Haïti pour passer du temps avec sa famille, car il a appris à travers les réseaux, à travers les médias, qu'Haïti est considéré comme le pays le plus dangereux de la planète. Philippe ne peut pas donc venir en Haïti. À cette graduation, j'apporte aussi les complaintes de Jacqueline. Qui est Jacqueline? Jacqueline, c'est une jeune mariée de 26 ans qui a été kidnappée chez elle, torturée et violée en présence de son mari. Mon message aujourd'hui, à l'occasion de cette graduation, est celui de Marie. Marie, c'est l'épouse d'un policier qui a été lynché et brûlé en pleine rue. La voix d'Haïti, cette voix que j'apporte à cette graduation de ce matin, elle est celle de Monsieur Lincifort. Lincifort, c'est ce monsieur-là qui vient de perdre tout récemment son père, mort lors d'une opération chirurgicale à cause du manque de carburant dans le groupe électrogène de l'hôpital. Le temps me manque, mes chers amis, pour parler du petit Peterson qui ne peut pas aller à l'école parce que son école a été transformée en tanière de bandits et de gangs. Le temps me manque aussi de parler de Josué qui est forcé de fermer son entreprise par peur d'être rançonné une énième fois par les bandits. Le temps me manque de parler de Francis, pasteur protestant, qui s'était obligé d'abandonner ses fidèles par peur d'être kidnappé en plein culte d'adoration. Malgré ma limite par rapport au temps, je dois quand même souligner que la voix d'Haïti a porté malheureusement en deux termes si tristes à cette graduation est celle de Sophie. Sophie, c'est cette jeune fille-là qui croit qu'Haïti, c'est la grande oubliée de l'histoire. Elle pense qu'Haïti est oubliée malgré son rôle dans la promotion, dans le respect de la personne humaine. Elle croit qu'Haïti est oubliée malgré son rôle dans l'indépendance de beaucoup de pays à travers le monde. Sophie croit qu'Haïti est la grande oubliée de l'histoire malgré son rôle dans la création de l'ONU, malgré son apport à la création de plusieurs autres nations. Sophie croit qu'Haïti est oubliée malgré son rôle dans l'accueil
de plusieurs milliers d'immigrés persécutés dans leur pays pour des positions politiques, ethniques ou religieuses. Elle pense qu'Haïti est surtout oublié par ses propres enfants. Monsieur le doyen du séminaire théologique de l'Artibonite, distingué membre du décanat, prestigieux vice-doyen, valeureux professeur, courageux parent, chers récipiendaires, mesdames, messieurs, Haïti ne peut pas descendre plus bas, car il n'existe pas pire que l'enfer. Les Haïtiens connaissent aujourd'hui une rareté de vie. La vie n'existe pas en Haïti. L'État n'est plus, la justice n'est plus. Chers récipiendaires de cette première promotion, bon, malheureusement vous êtes derrière moi, mais vous m'entendez quand même, vous allez recevoir votre diplôme dans un pays où la corruption, où l'incompétence règne en maître. Vous allez recevoir votre parchemin universitaire dans un pays où la corruption constitue le trait caractéristique de toute l'administration publique. Vous allez recevoir votre parchemin en théologie dans un pays où le christianisme est majoritaire. Malgré tout, cette église si forte en fidèles a grandement failli à sa mission. Oui, c'est dans ce pays-là que vous allez recevoir votre diplôme. Néhémie, un jeune garçon de notre âge, de notre vigueur, de notre connaissance, avait lui aussi fait un constat malheureux. Étant en déportation, il a demandé la permission à ses oppresseurs de visiter son pays natal, la terre de ses ancêtres, Jérusalem. Arrivé sur place, c'était la désolation totale. Le pays fut dévasté, détruit, brisé. Néhémie, malgré les obstacles rencontrés, il a monté autour de lui une équipe et ensemble, ils ont pris une résolution à partir d'un slogan « Levons et rebâtissons ». Comme Jérusalem, nos villes ne sont-elles pas effondrées? Comme Israël de Néhémie, notre Haïti à nous, notre très cher Haïti, notre petite Haïti chérie, n'est-elle pas effondrée? Oui, nous assistons aujourd'hui en Haïti à l'effondrement de la justice, l'effondrement de la moralité, l'effondrement de la politique, en un mot, l'effondrement de la vie. À cette graduation, je vous propose donc, à la manière de Néhémie, de sortir de cette isolation, de notre isolation, de nous coopérer afin de prendre cette grande et si belle résolution qui est celle de reconstruire Haïti. La reconstruction proposée aujourd'hui, mes chers amis, consiste d'abord en une déconstruction, car les fondements ont été très mal posés. Pour construire ou pour reconstruire quelquefois, il faut passer par une déconstruction. Déconstruction de la mentalité haïtienne, déconstruction de la spiritualité haïtienne, déconstruction de notre façon de croire, déconstruction de notre façon de penser. Oui, il nous faut passer par cette déconstruction si nous voulons voir réellement le changement d'Haïti. À l'occasion de cette graduation, de cette première dans l'histoire du séminaire de théologie de la Thibonite, je vous rappelle que Haïti, mes chers amis, a besoin de nouveaux hommes d'affaires. Haïti a besoin de nouvelles femmes d'affaires. Oui, nous avons besoin de nouveaux jeunes, d'une nouvelle génération de pensée en Haïti,
Nous avons besoin d'une nouvelle église, d'une nouvelle façon de croire en Dieu. Le pays a besoin de nouveaux politiciens, de nouveaux théologiens, de nouveaux pasteurs, de nouveaux hommes et de femmes d'église. Haïti a besoin de chacun de nous ici présents. Haïti a surtout besoin de vous, futurs gradués. Haïti a besoin de vous. Haïti a besoin de vous. Haïti a besoin de nous, puisque nous sommes l'espoir de ce pays. Vous, récipiendaires, vous êtes l'espoir d'Haïti. Vous êtes l'espoir de l'Église haïtienne. Avec ce diplôme que vous allez recevoir ce matin, avec cette masse de connaissances que vous avez dans les têtes, par la puissance de Dieu qui nous anime, mes chers amis, venons, rassemblons-nous ensemble pour rebâtir les murailles d'Haïti. Et comme ça, nous cesserons d'être dans l'opprobre, dans l'injustice, dans la moralité. Comme Néhémie, fortifions-nous, levons-nous et bâtissons. Que le Seigneur vous bénisse. Après avoir parcouru le cycle des 3 années d'études prévues par les règlements du STELA, les étudiants dont le doyen aux affaires étudiantines vont citer les noms verront leurs efforts appréciés à travers ce papier effectivement bien mérité. Avec nous, le doyen aux affaires étudiantines. Comme vient de le dire le doyen du STELA, nous allons citer les noms des étudiants qui vont recevoir leur parchemin. Donc c'est pour leur féliciter pour ces 3 années qu'ils ont passées avec nous au STELA. Et déjà, nous disons qu'ils vont nous manquer parce que nous avons formé une famille et nous espérons que cette famille-là, elle va rester unie en Christ. D'abord, nous faisons appel à Altidor Morissette Stéphanie. Je vous demande d'applaudir chacun. Benoît Durassier. Le frère d'Attilus Adler. Davilus Jude. Davilus Augustin. Nous accueillons maintenant Eliassin Jordani. Ok, nous poursuivons avec Guillaume Joël. Apprécions la venue de Horacius Risnel.
notre cher frère Innocent Himmler Edgerson. Isaac Manès. Le frère Joseph Fidelson. Nous avons notre cher maestro Mildor Watson. Le frère Pétion Fagnor. Apprécions Philippe Exode. Le frère Pierre Lunaire. Et notre sœur Pierre Abraham Myriam. Nous apprécions la venue de Raphaël Diony. Suivi de Saint-Jean Kessnerson. Et finalement, Siméus Boudouens. Merci pour votre patience. À présent, je vais demander aux récipiendaires pour marquer leur graduation d'utiliser à mon signal la main gauche pour passer le cordon de la droite vers la gauche. Et lorsqu'ils auront terminé, vous vous mettrez à applaudir. C'est fait. La chose pour laquelle ils ont su bien travailler, c'est fait. Ils viennent de recevoir leur diplôme. Nous venons d'assister à la remise des parchemins, mais aussi nous venons d'écouter un fameux sermon, un sermon concis, précis, mais très substantiel, faisant état de la situation politique, économique du pays. Nous venons d'écouter la voix d'Haïti. Merci, c'est bon, c'est bien. Maintenant, nous allons devoir auditionner le discours du porte-parole de la promotion. Il s'agit de Madame Myriam Abraham Pierre, sous vos applaudissements. Merci. Mesdames, Messieurs les membres de la direction du STELA, Mesdames, Messieurs les représentants des autres instituts de théologie, Mesdames, Messieurs les représentants des instituts de l'État,
messieurs les membres du corps professoral, chers récipiendaires, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est un grand jour pour moi et pour tous les membres de Stella d'être réunis en ce lieu-ci pour célébrer la fin de cycle de la promotion sortante baptisée les Apologistes. Nous venons de passer 3 longues années de dur labeur. Par la grâce de Dieu, nous avons tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de difficultés pendant cette période, entre autres le COVID-19 pays loc, qui nous ont obligés à faire une pause dans nos études. Plusieurs d'entre nous ont commencé, mais se sont arrêtés en chemin. La route n'a pas été facile. Oui, nous avons connu des moments de grande difficulté. Malgré cela, notre Dieu ne nous a pas laissé tomber. Et maintenant, nous sommes là pour recevoir la consécration de nos dures années de travail. Que devons-nous dire? Quand on pense aux heures qui s'écoulent, les années qui s'envolent, on a vraiment envie de dire merci. Oui, merci. Merci à Dieu, merci au doyen, le révérend pasteur Waldy Telasco, au doyen aux affaires estudiantines, pasteur Emerson Dorson, au vice-doyen, pasteur Esther Vincent Jean-Louis, et au staff de la direction. On a beaucoup appris avec les meilleurs professeurs, auxquels vont également nos vifs remerciements pour leur savoir-être et leur savoir-faire dont nous avons pu bénéficier durant ces années. Il est grand temps de remercier ces enseignants qui ont planté en nous la graine de la connaissance et nourri notre esprit en nous insufflant des rêves. Sans vous, chers enseignants, la vie n'aurait pas de classe. D'après Averès, l'ignorance mène à la peur mène à la haine mène à la violence. Voilà l'équation. Vous qui travaillez dans le champ de Dieu, mais qui n'avez pas eu le privilège de bénéficier d'une formation adéquate, j'aimerais vous encourager à vous former davantage pour pouvoir mieux accomplir votre tâche selon les prescrits bibliques. En effet, il se peut que vous travailliez avec zèle, que vous soyez plein de zèle alors que vous êtes en train de travailler mal. C'est en ce sens que l'apôtre Paul a dit des Juifs, ils sont pleins d'amour pour Dieu, mais cet amour n'est pas éclairé par la connaissance. Romains 10, verset 2. Donc, la connaissance est d'une importance capitale. Formez-vous, mes frères et sœurs, pour une grande efficacité dans l'œuvre du Seigneur. Personnellement, ces longues heures de cours m'ont été très bénéfiques. J'ai appris après tout, en tant que femme et mère, qu'on peut se former, s'informer, être forte et femme mariée, sans que cela nous empêche de travailler. Je remercie mon mari qui ne m'a pas empêchée de poursuivre mon rêve et mon appel. Je remercie le décanat qui a fait choix de moi comme porte-parole et aussi mes camarades frères et sœurs qui ont accepté et prodigué leurs encouragements. Tout le remerciement est à Dieu notre Créateur. Oh oui, nous l'avons fait. 3 ans. 2018-2021, première promotion sortante. 2019-2022, un rêve devenu réalité. Nous allons mettre à profit tout ce que nous avons appris à Stella pour être utile dans nos assemblées respectives. Le champ de Dieu a besoin d'ouvriers capables, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. En 2 Timothée 2, verset 2, je cite, « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Chers camarades, ce n'est pas fini encore. Nous allons nous appliquer et serrer les rangs pour la prochaine étape. Avancer doit être notre devise. Quelqu'un a dit, « Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. » Enfin, voici le moment venu de nous dire au revoir pour un temps et de recommencer après. Avec l'aide de Dieu, nous allons travailler avec courage
pour servir dignement l'œuvre que Dieu nous a confiée. La base est jetée. Construisons pour l'avancement du royaume. Merci. Merci, Madame Myriam Abraham Pierre. Maintenant, nous allons écouter tour à tour le discours du parrain. Il va devoir prodiguer des conseils à l'endroit de ses filleuls et qui va prier pour ses théologiens en puissance. Honorable doyen de Stella, pasteur Waldi Telasco, honorable corps professoral, chers filleuls, honorable pasteur des différents contrées de la ville, les parrains et les marraines, les maris et les femmes, chers parents, chers invités, il est pour nous une joie intense de vous rencontrer ici dans le lieu saint pour adorer les seigneurs et pour honorer les gradués pour les efforts conjugués pour parvenir à ce grand jour. Je vous prie de les acclamer, s'il vous plaît. Servir Dieu est un combat, être un leader, répondre à l'appel de Dieu est une guerre. Chers filleuls, je vous prie de ne pas entrer dans le ministère sans l'appel de Dieu. Être un gradué en théologie ne fait pas de vous un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur. Vous avez seulement approfondi votre connaissance dans la parole de Dieu pour pouvoir transformer le monde ou bien la communauté haïtienne. Mais c'est Dieu qui fait appel. En tant qu'apologiste, vous devez avoir de la connaissance afin de défendre la foi chrétienne. Guerre avec les non-croyants, guerre avec les croyants, guerre doctrinale, guerre dans l'évangélisation, guerre dans ta famille, guerre avec soi-même. Malgré tout, je vous encourage à la manière de l'apôtre Paul qui dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a dit également: pour ceux qui périssent, l'évangile est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Ne soyez pas irrespectueux à l'endroit de vos aînés, de vos pasteurs, de vos leaders, mais soyez humbles, car on moissonnera ce qu'on a semé. Je vous encourage de marcher dans l'amour et garder la foi comme apôtre Paul, Youn qui m'a dit pour nous imiter. Fiel moi yo, bataille n'a pas fini. Nous finissons un cycle d'études. Nous qu'à continuer. Après 3 ans passés ensemble, conseil nous te baillot important.
mais conseil yo pas fini. Moi là pour nous, corps professoral là pour nous, décanat là pour nous, étudio ka continuer. N'a toujours ensemble et relez nous l'aile possible, non seulement dans siècle ça, mais dans l'autre monde là. N'a ensemble pour tout le temps et pour toute l'éternité. N'a encourage pour bataille jusqu'à ce qu'on a dit à la manière de Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi en Jésus-Christ. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. N'a demandé avec tout étudiant yo pour yo camper. N'a demandé avec tout professeur yo également pour yo camper. Longe men nou pendant n'a prié pour étudiant yo. Poussez pas dans bouche nous, dans langage nous seulement yo recevoir conseil. Mais prière que nous va adresser à Dieu pour yo, li va aider yo jusqu'à ce que yo rive concrétiser rêve yo Jean Sadouyé. Cher tendre et bon Père céleste, nous gagnons devant nous petit garçon et petite fille yo. Après un temps yo te fait à étudier parole yo, et l'est arrivé pour yo honorer. Doyen pas ka honoré yo, professeur yo pas ka honoré yo, parrain yo pas ka honoré yo, parce que honneur ça yo li pa ka faire rien pour yo. Mais laissez ou qui honoré yo, honneur va ba yo a li va kembe jusqu'e dans l'éternité. Yo gen difficulté yo ka rencontrer sur route là, n'a mandé ou pour camper avec yo, aider au bataille en tant que capitaine yo pour yo gagner bataille là. Parce que me connons pas qu'on perdit dans bataille, moi sûr et certain petit garçon avec petite fille yo pas perdit dans bataille là. Moi relâché sur yo onction, onction pour yo prêcher l'évangile tout partout, onction pour yo enseigner parole tout partout, onction pour yo mener peuple tout partout. Moi pas connais qui appelle ou fait à qui yo, mais ou même ou relé yo quand même pour un travail spécial. Moi relâche capacité qui sorti dans cet esprit en dedans yo afin que pas gain force faire droit cap camper devant yo. Moi déclaré au plein avec puissance au nom de Jésus. Moi déclaré force agissant tout. Agis dans yo afin que les yo déclarent malade guéri pour malade la guérivre. Les apporter parole ou c'est pour parole qui sorti dans bouche faire impact dans la vie monde. Qui va transformer la vie l'autre monde. M'a pando faire devenir une source de bénédiction pour tout le monde qui a suivi et qui a tendé. Moi relâche toute puissance qui sortit en haut dans le ciel là sur yo. Même Jean, ou te voyé petit ou Jésus. Jésus te voyé pasteur Oldi ak nous tout, nous même tout, nous mettez onction sur yo pour yo aller tout côté en bas onction, en bas puissance pour faire travail. Nous demandons grâce à vous, bon Dieu. Au nom de Jésus petit tout, lui-même qui vivait qu'à prier pour tout le temps. Amen. Nous allons chanter les paroles que nous trouvons. Si vous regardez dans le prospectus, vous allez voir, page 11, le chant que nous allons chanter. Peut-être c'est pas sous une grande montagne, ni dans un pays bien loin. C'est un chant missionnaire. Nous allons exécuter les notes de ce cantique.
nan yon gros montagne, ni nan yon pays bien loin. Peut-être c'est pas nan yon grand bataille, va servir à moins. Même si s'y voit pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes quasiment au terminus de la cérémonie. Mais écoutez, nous allons devoir écouter à tour de rôle pour clore la cérémonie. L'honneur à nos trois premiers professeurs de Stella, séminaire de théologie évangélique de l'Artibonite. On va devoir écouter l'annonce et les mots de remerciement par le vice-doyen aux affaires estudiantines, professeur Ranel Exantus, aura à prier. Et les mots de bénédiction seront prononcés par le révérend pasteur Daniel Augustin, titulaire de l'église baptiste Ebenezer de Saint-Marc. Maintenant, souffrez que le Stella honore ses trois premiers professeurs. Ils répondent au nom de Esther Vinson Jean-Louis, Ranel Exantus et Dorilas Wilson. Je leur demande de nous rejoindre, s'il vous plaît.
Esther Vincent, Jean-Louis, j'estime que par les diverses capacités intellectuelles dont il est doté, le pasteur et avocat Esther Vincent, Jean-Louis aurait dû aujourd'hui avoir à son actif une dizaine de doctorats. Maître Esther Vincent a fait des études de master en droit international. Aujourd'hui, il est doctorant en théologie sociale et développement intégré à l'université CEDETAP de Port-au-Prince. Maître Esther Vincent occupe les fonctions de directeur des études à l'UNISA et de recteur à CAIPES Université. Cet homme de valeur est la première personne à laquelle j'ai partagé ma vision du Stella. Il est notre consultant et professeur de sociologie, de psychologie, de droit usuel et de créole à ce séminaire. Il est aussi le vice-doyen à la recherche du Stella. Révérend Esther Vincent, Jean-Louis, vos conseils et votre engagement n'ont pas de prix. Nous vous honorons publiquement avec ce simple geste. Applaudissez, s'il vous plaît. Maintenant, Ranel Exantus. Monsieur Ranel Exantus est un homme de cœur, un intellectuel avisé, un serviteur de Dieu. Il a une méthodologie en tant qu'enseignant de théologie qui passionne ses étudiants. Ranel Exantus était sorti frais et moulu du STEP lorsque je lui ai demandé de venir au Stella, il y a de cela 4 ans. Et depuis, il s'y attache fortement. Lorsqu'il devait fonder le STET, il m'a personnellement rejoint pour m'en informer. Aujourd'hui, notre ami poursuit des études de master au STEP. Monsieur Ranel Exantus, merci de n'avoir pas marchandé votre aide au Stella. Merci de continuer à vous mettre à notre disposition. Je vous souhaite de prospérer à tous égards. Maintenant, M. Dorilas Wilson. Personnellement, je vois en M. Dorilas un franc intellectuel. Il a été lauréat de sa promotion au séminaire de théologie du Nazaréen de Port-au-Prince. Il a fait des études de maîtrise à l'UCNH, Université chrétienne du Nord d'Haïti, où il a décroché un diplôme de master en leadership et développement. M. Dorilas est pour moi l'un des rares professeurs capable de jongler avec quasiment toutes les matières. Les cours qui paraissent les plus difficiles lui sont confiés. De surcroît, cet homme a toujours fait montre d'un amour inouï pour le Stella. Il n'hésite pas à se sacrifier, à se donner corps et âme pour cette institution. Monsieur Dorilas, recevez les honneurs de votre école et ayez du succès dans vos entreprises. Maintenant, je vous demande pour une dernière fois d'applaudir ces 3 professeurs, tandis qu'ils regagnent leur place. Maintenant, nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation qui est désormais une réussite. Et spécialement, nos remerciements vont au corps professoral. Merci à tous nos professeurs. Remerciements à nos étudiants de la première et de la deuxième année. Remerciements aux photographes, à l'équipe de mise en ligne sur Facebook et YouTube. Nos remerciements vont aussi à la radio Reconfort pour la retransmission de la cérémonie.
à l'église baptiste Ebenezer de Sema, son comité et son pasteur. Nous remercions amplement le collège mixte Ebenezer, son staff administratif et surtout son directeur, M. Julio Innocent. Remerciements à la direction de MJ SAC, qui est représentée par M. Jean-Eddy Ménard. Nous remercions le pasteur Gadnel Louis. Remerciements au séminaire théologique suivant, BME, STET, ITE et le ministère Pêcheur d'Hommes. Nous remercions M. et Mme Roméus de Mondecor et le pasteur Romain Ludisma. Nous n'allons pas oublier de remercier les membres du protocole d'accueil et tout le reste de l'assistance. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment inoubliable. Et nous annonçons aussi au public que l'ouverture de nouvelles sessions est fixée pour 24 septembre à 2h. Mais depuis, à partir de lundi, inscription a commencé. Donc, avec la majorité de monde qui a gagné des clients à Anameo, ou capable de remplir ce formulaire, côté web, nom, prénom, avec téléphone, et ou joindre toute information. Nous sommes disponibles et l'école là, ou après horaire avec leur langue, ou capable de passer pour inscrire, pour capable étudier. Et un jour comme ça, ou capable de récompenser de toute étude ça, ou de tout effort. Merci. Mettez-vous debout pour la prière finale, s'il vous plaît. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous n'avons pas de mots ce matin pour te remercier pour la grâce que tu nous as faite en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour les ressources disponibles, Seigneur, que tu mettes à notre profit ici à Saint-Marc, surtout pour la communauté évangélique. Nous voulons, Dieu, te remercier pour tout ce qui a été fait. Merci pour les étudiants, merci pour les professeurs, merci pour le dirigeant et merci d'une façon spéciale pour le message de ta parole. Seigneur, nous allons partir. Nous voulons une fois de plus te demander, ô Dieu, de nous faire la grâce, de nous donner, Seigneur, la grâce suffisante pour continuer ce travail. Une fois de plus, Seigneur, répands ta grâce sur Stella qui est une bénédiction pour la communauté et permet, ô Dieu, que ton nom soit glorifié et magnifié. Oui, Seigneur, nous croyons que tu vas agir au-delà de nos demandes. C'est là notre prière, non en fonction de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites seuls infinis de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la magnificence des avant tous les temps, des à présent au siècle des siècles. Amen. Les mots de bénédiction spécialement aux diplômés. Que le Dieu de paix vous donne de sa paix. Que le Dieu de grâce vous fasse sa grâce. Que le Dieu de bénédiction vous comble de ses riches bénédictions. Et que dans sa puissance, il vous façonne et vous dirige à sa manière en vue d'un ministère fructueux et béni qui ressemblera et fortifiera le peuple de Dieu en quête du savoir et de la connaissance du Sauveur Jésus-Christ. Qu'il soit pour chacun de vous le Dieu de gloire, le Dieu qui vous fortifie. Par Jésus-Christ notre Sauveur, à qui reviennent gloire, l'honneur, l'adoration, la puissance, des avant tous les temps, des à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Chantons la doxologie. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, no.
notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Louange et gloire au pas d'autre mot. Si le Christ ne revient pas encore, je vous dis bonne année, à l'année prochaine. M'a pralé, si vous relèvez moi. M'a pralé, si vous relèvez moi. N'importe qui bord, n'importe côté où relèvez moi. Seigneur m'a pralé. Nous voulons chanter ensemble avec moi. Parce que c'est très facile. Amen, nous pralé. M'a pralé, si vous voulez moi. M'a pralé, si vous voulez moi. N'importe qui bon. N'importe côté où elle est moi. Cinéma pralé. Écoutez. N'importe qui bon. N'importe côté où elle est moi. Cinéma pralé. Vent mettre soufflé. N'importe côté où elle est moi. Cinéma pralé. En allez. M'a pralé. M'a pralé, si vous voulez moi. M'a pralé, si vous voulez moi. N'importe qui bord, n'importe côté où voulez moi. Si de m'a pralé, où t'es venu? Où t'es mouru pour pécher mieux, pour ben moins la vie. Déjà m'connais, c'est côté où qui gagne la vie, qui pas besoin fini en aller. M'a pralé, si vous voulez moi. M'a pralé, m'a pralé, si vous voulez moi. N'importe qui bord, n'importe côté où elle est moi. Si elle m'a pralé. N'importe qui bord, n'importe côté où elle est moi. Cinéma pralé. Merci Seigneur pour tout ça vous fait pour moi. Moi béni dans vous. Merci Seigneur pour nos mots écrits dans le ciel là, dans le livre là. En allez, à pralé. M'a pralé, yes. M'a pralé, si vous voulez moi. M'a pralé, m'a pralé, si vous voulez moi. N'importe qui bord, n'importe côté où voulez moi. Cinéma pralé, on allait. M'a pralé, m'a pralé, si vous voulez moi. M'a pralé, m'a pralé, si vous voulez moi.
n'importe qui va, n'importe côté où elle est. Cinéma pralé, cinéma pralé, cinéma pralé, cinéma pralé.